Bonsoir à tous et puis bienvenue pour une nouvelle émission Parlons Santé. Donc ce soir, émission dédiée aux neurosciences. Réinfo Santé œuvre dans le cadre de la santé intégrative. C'était vraiment important pour nous ce soir de pouvoir vous apporter des connaissances en neurosciences et puis de partager avec des spécialistes. Je vous rappelle que nous avons toujours notre compte Telegram où vous pouvez être informé de toutes nos émissions, qu'on a toujours notre petite page Facebook où nous avons aussi toutes les émissions et puis le lien surtout pour aller sur les replays parce que toutes nos émissions sont en replay et le site internet de Réinfo Santé. Voilà pour l'instant publicitaire. Faire aussi un petit message parce que le prochain conseil scientifique indépendant présentiel aura lieu à Saintes le 8 mai. Co-organisé par Réinfo Liberté et par Bon Sens. Donc, vous pouvez aller sur les sites internet de ces deux collectifs pour accéder aux billetteries. Avant qu'il n'y en ait plus. Voilà. Donc, ce soir, nous avons trois invités. J'invite en premier Alice Guyon pour la première fois chez Parlons Santé. Eh bien, bonsoir Alice, je te laisse te présenter. Bonsoir Aurélie et merci pour l'invitation. Donc, moi, je suis neurobiologiste. J'ai une formation en biologie. J'ai fait une thèse en neurosciences. Et puis, j'étais d'abord maître de conf pendant 10 ans à l'Université de Paris. Et ensuite, je suis rentrée au CNRS, où je suis toujours depuis de nombreuses années. Donc, maintenant, je suis directrice de recherche au CNRS. Et j'ai un parcours où je me suis d'abord beaucoup intéressée à la pharmacologie du cerveau. J'étais vraiment passionnée dès le début par l'étude de ce qui se passe dans le cerveau, dans les neurones, en travaillant d'abord en expérimentation animale. Et puis, depuis quelques années, j'ai arrêté l'expérimentation animale pour me tourner plus vers l'humain. Et depuis une dizaine d'années, je m'intéresse aux pratiques complémentaires et donc à la santé intégrative. Donc, c'est parti en fait de l'étude des effets bénéfiques de l'environnement enrichi chez la souris sur l'immunologie, sur le cerveau. Et voyant tous ces effets bénéfiques sur de nombreux paramètres qu'on pourra discuter, j'ai eu envie de voir comment est-ce qu'on pouvait amener cet environnement enrichi chez l'humain. Et donc, j'ai rencontré toutes ces pratiques complémentaires, toutes ces pratiques de promotion de la santé. Et ça m'a passionnée. Et donc, je me suis dit, mais finalement, la pharmacologie, c'est bien, mais ça ne peut pas tout faire. Et je me suis tournée vers l'étude, l'expertise de différentes pratiques complémentaires et tout récemment, en particulier, vers les pratiques qui utilisent des états de conscience non ordinaires. Voilà. Merci Alice. Notre deuxième invité ce soir, c'est Guillaume. Guillaume, je te laisse te présenter. Merci Aurélie. Bonsoir à tous. Donc moi, je suis plutôt dans le domaine de la pratique. J'exerce en cabinet en tant qu'ostéopathe. J'étais initialement kinésithérapeute et puis l'évolution a fait que j'ai repris des études d'abord en médecine chinoise et puis par la suite en ostéopathie. Et les dernières études que j'ai faites, c'est un DU de méditation et de neurosciences à Strasbourg qui a été complété après par une formation pratique pour animer des groupes de méditation pleine conscience. Et du coup, les neurosciences, l'intérêt pour moi des neurosciences, ça a été d'avoir une vision un peu plus globale de ce qui pouvait se passer et surtout de voir comment elles pouvaient aider à avoir une vision plus unifiée de ce qui se passe au sein d'une personne entre ces différents paramètres qu'on pourrait détailler comme une partie plus physique, une partie plus énergétique avec ce que décrit Lorian, une partie plus émotionnelle, plus psychique. Et donc, il y avait cette idée que peut-être la psychologie pouvait donner une grille de lecture pour remettre la personne au centre et puis considérer ce qui se passe au niveau de son esprit. Et finalement, c'est les neurosciences qui, avec le DU qui venait de débuter à Strasbourg en 2012, qui m'a permis d'avoir cette vision-là et puis de faire un peu plus de pont entre toutes ces... C'est parti. Merci Guillaume. Voilà, plaisir. Et puis nous allons rediscuter. Et notre troisième invité, vous l'avez déjà vu dans les émissions Parlons Santé, c'est Gaëtan. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir à tous. Gaëtan Kosmalski, pharmacien hospitalier, professeur de yoga. J'ai fait effectivement le DU de neurosciences de Strasbourg et puis également le DU sur l'état de conscience modifié de Paris 8.
Donc voilà, la neuroscience, ça m'intéresse depuis quelques années par rapport à l'intérêt que ça peut avoir au niveau des soins pour les patients, notamment qui auraient des pathologies neurologiques ou psychiatriques. Et justement, Gaëtan, donc, toi, tu t'es intéressé vraiment aux neurosciences dans l'idée du soin et de pouvoir améliorer certaines pathologies. Si je devais vous demander à tous quel est l'intérêt des neurosciences, qu'est-ce que tu répondrais là? C'est vraiment pour toi, pour aller vers l'idée du soin? Il y a plusieurs choses. Il y a, dans le yoga, il y a le côté finalement perception. En pratiquant du yoga de façon régulière, quel que soit le type de yoga, il n'y a pas toujours les mêmes facteurs, on va dire, qui permettent d'induire ce qu'on peut appeler une transe ou un état de conscience modifié. Mais des fois, on arrive à des choses où on ne s'attend pas. Et donc, j'avais envie de comprendre ce qui se passait quand il y avait des fois des perceptions qui étaient un petit peu modifiées sans rien changer. Je veux dire, c'était juste finalement avec la respiration, avec des pratiques d'écoute ou de posturale ou de la méditation, que ça permettait d'avoir accès à ça. Et donc, je cherchais à comprendre. Ça semblait physiologique quand on discutait avec d'autres profs de yoga, des élèves avancés, d'autres pratiques comme le Qigong ou d'autres choses comme ça. Et donc, il y avait ce côté-là qui m'intéressait d'un point de vue personnel et d'un point de vue, après, plus par rapport à mon travail. Effectivement, je me disais que ça pouvait être utile pour aider des patients qui, des fois, sont en bout de course et qui sont, on va dire, pharmacorésistants, qu'il s'agisse d'épilepsie pharmacorésistante, par exemple, ou de dépression sévère, parce que dans la dépression sévère, on peut avoir... en fait, la dépression et l'épilepsie, c'est exactement comme la mémorisation. Vous avez à force... quand vous relisez un cours, quand vous étiez à l'école ou quand vos enfants lisent un cours, en fait, au fur et à mesure, ils vont renforcer un chemin neuronal qui va devenir de plus en plus facile à franchir et donc le cerveau aura plus de facilité à se rappeler de ça. Et donc, dans l'épilepsie ou dans la dépression, c'est exactement ça aussi. Et donc, c'est des fois plus difficile après avec les médicaments de traiter. On peut quelquefois s'aider de certains de ces pratiques, quoi. Donc, il y a les deux côtés qui étaient présents. Merci, Gaëtan. Donc, effectivement, deux choses pour toi qui sont importantes, de pouvoir aider les patients, de pouvoir avoir une autre approche. Alice, j'aimerais que tu me dises, qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressée aux neurosciences? Qu'est-ce qui t'a amené vers ce chemin-là? Au départ, c'était la curiosité. J'étais très curieuse de toute la biologie, mais ce qui me paraissait le plus... complexe et le plus intéressant, c'était d'aller voir ce qui se passait dans le cerveau, parce que voilà, 100 milliards de neurones, 3000 connexions par neurone, je me disais waouh, c'est tellement complexe que on aura toujours à faire. Et dans les premiers temps, en fait, je me suis intéressée vraiment à l'activité électrique des neurones et la pharmacologie, c'est-à-dire j'avais vraiment envie de trouver des molécules qui permettraient, en changeant l'activité des neurones, en agissant sur les potentiels d'action, sur la transmission synaptique, de pouvoir influencer le comportement, influencer peut-être certaines maladies. Et donc, je me suis vraiment lancée dans plein de pathologies, enfin vraiment des modèles animaux de plein de pathologies, par exemple la schizophrénie, ça a été les troubles de comportement alimentaire, l'obésité, la dépression, les accidents vasculaires cérébraux, la douleur, les maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson. Donc, je me suis intéressée à toutes ces maladies par différents aspects en essayant de trouver des molécules qui pourraient faire peut-être de futurs médicaments et en agissant sur la transmission neuronale et l'activité des neurones. Et en fait, après plusieurs années de bons et loyaux services, je me suis aperçue que j'avais fait avancer les choses, mais que finalement, on n'avait pas beaucoup progressé. Et j'ai entamé une étude sur les effets de l'environnement Wichi. Et là, c'était assez spectaculaire parce que on s'est aperçu que par l'environnement Wichi, donc faire des activités physiques aux souris et aussi les mettre dans des grandes cages où elles ont des interactions sociales, elles ont plus de stimulation sensorielle, donc elles sont plus actives, leur cerveau est tout le temps actif, sans stress,
Et là, on s'apercevait que d'une part, il y avait beaucoup plus de plasticité cérébrale, mais aussi qu'il y avait moins d'inflammation et que le système immunitaire était beaucoup plus boosté. Et du coup, ces souris, elles attrapaient moins de cancers, elles avaient moins de maladies neurodégénératives. Si on les vaccinait, le vaccin durait plus longtemps. Il y avait énormément de bénéfices à tous les niveaux sur pratiquement toutes les maladies que j'avais déjà étudiées auparavant. Et donc, je me suis dit, finalement, c'est une approche écologique qui n'est pas polluante, qui n'est pas compliquée. Et pourquoi pas aller vers ça, des approches plus écologiques. Bon, évidemment, ça nécessite un entraînement. C'est comme ce que disait tout à l'heure Gaëtan. Ça implique de répéter, de faire un effort, quelque part, de faire travailler les réseaux de neurones. Mais plutôt que de prendre la pilule magique qui n'est pas si magique que ça et qui ne fonctionne pas si bien que ça, qui en plus peut être toxique, avoir des effets secondaires, etc., je me suis dit, on a peut-être tout à l'intérieur du corps pour parce que finalement, les neurotransmetteurs, on les a. Et toutes les drogues qu'on peut inventer ou trouver, elles vont agir sur des réseaux qui existent déjà, des récepteurs qui existent déjà, des neurotransmetteurs qui existent déjà, des processus qu'on a en interne. Et donc, plutôt que d'apporter de l'extérieur ces molécules, est-ce qu'on ne peut pas favoriser dans notre corps leur libération par différentes actions ? Donc, en faisant du sport, en faisant de la méditation, en faisant différentes pratiques qui vont permettre de nous maintenir en santé et de mieux résister au développement de ces neuro-inflammations ou de ces pathologies. Donc, petit à petit, je me suis intéressée à ces pratiques et à montrer justement leurs bénéfices sur ces différentes pathologies qui m'intéressent. Merci Alice. Donc tu es partie quelque part de la chimie à te dire finalement comment est-ce qu'avec les états modifiés de conscience on va pouvoir améliorer la santé. Oui, ou même l'effet placebo. L'effet placebo oui. M'intéresse beaucoup. J'avais fait une conférence là-dessus au CSI parce que finalement on a en nous vraiment beaucoup de potentiel pour aller vers l'auto-guérison. Mais encore faut-il apprendre à nous entraîner à utiliser ces voies endogènes qu'on a d'auto-guérison. Oui, c'est drôle parce que c'est ce qu'Hippocrate avait nommé, hein, le corps peut guérir par lui-même. Donc effectivement, on est dans le bon sens. Voilà. Et ça, avec bien sûr tous les piliers que sont la respiration, la nutrition, l'activité physique, les liens sociaux, la spiritualité, il y a beaucoup de facteurs sur lesquels on peut agir. Les déterminants de la santé, ce n'est pas que l'accès aux soins, l'accès aux médicaments, c'est beaucoup plus tous nos actes au quotidien, toutes nos actions pour nous maintenir en santé. Oui, et c'est tout à fait le but des émissions de Parlons Santé. Donc, nous sommes au bon endroit ce soir. En tout cas, merci pour ta curiosité qui t'a amené où tu es maintenant. Okay. Et j'aimerais... Guillaume, que tu nous dises un petit peu ce qui t'a amené, toi, qui est vraiment sur le terrain avec tes patients, à te dire je vais faire le DU de neurosciences de Strasbourg et puis qu'est-ce que ça va apporter à tes patients. Alors, merci pour cette question, c'est intéressant. En fait, ce qui se passe rapidement, moi, donc, je démarre en tant que kinésithérapeute. Et la kinésithérapie, c'est un diplôme qui date de 1946. Et donc, on est post-Seconde Guerre mondiale, il faut rééduquer les patients. Et donc, il y a un diplôme de rééducateur qui se met en place, qui plus tard va s'associer à celui de masseur. Ça donnera les masseurs kinésithérapeutes. Et donc, on a un type de rééducation au départ avec des grands blessés, des blessés de guerre, des amputés, des gens qui ont vraiment des handicaps. Donc, il faut pouvoir les remettre en santé pour que ce handicap soit amenuisé et qu'ils puissent avoir la vie la plus normée possible, en tout cas la plus facilitée possible. Et puis, les études, ça c'est un point de vue très personnel, je trouve qu'elles n'ont pas évolué autant que la pratique a évolué. On s'est retrouvé dans... Oh merde, je pouvais pas en parler avec des gens qui venaient pour un problème d'épaule, un torticolis, un problème de dos. Et du coup, je me sentais habile pour aller rééduquer des gens en centre de l'éducation, mais pas en cabinet. Donc, ça m'a amené à faire un certain nombre d'autres pratiques que j'ai citées tout à l'heure. Et avec la pierre angulaire qui était la mienne, c'était de dire, mais comment on peut trouver quelque chose qui soit
vraiment unifiant et qui donne à la personne à comprendre ce qui se passe en elle sur plusieurs plans pour vraiment avoir une perception unifiée d'elle-même, comme je le disais, et puis en fait qu'elle puisse avoir la valeur ajoutée de la pathologie ou de la douleur ou du symptôme qui l'amène à consulter. Comment ça peut faire sens? Et l'approche du DU, enfin ce qui était présenté en tout cas au DU, je trouve, en tout cas pour moi, ça m'a permis d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe au niveau de l'esprit, et puis des processus qui agissent et qui vont jouer sur nos humeurs, jouer sur notre seuil de douleur, jouer sur cette régulation des différents organes par ce qu'on peut faire via la respiration et via son effet sur le système nerveux autonome. Et donc ça a été quelque chose qui, dans ma lecture de ce que vivent les patients au cabinet, me permet de voir un sens et puis peut-être d'échanger après avec eux sur ce qu'ils peuvent en faire. Merci Guillaume. Voilà, il y a tout un intérêt de ce que l'on sait des neurosciences et de comment on va les appliquer après au cabinet. C'est ça qui va aussi être intéressant pour nous ce soir. Et j'aimerais revenir un petit peu avec toi Gaëtan sur les neurosciences et sur ce que ça a apporté au niveau des connaissances sur tout ce qui touche à l'inconscient. Alors, c'est un sujet très très vaste. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait savoir, c'est que l'inconscient finalement fait partie de nous comme le conscient. Parce que c'est vrai qu'on a souvent notre... l'ego qui... Enfin, on se considère comme étant l'ego et on pense pas forcément... on pense pouvoir d'ailleurs être acteur de sa vie, alors qu'on se rend compte au niveau neurosciences que finalement c'est l'inconscient qui gère la majorité de notre vie, parce que on se rend compte que, par exemple, au niveau de tout ce qu'on récupère, les gens qui nous écoutent, etc., on va récupérer énormément d'informations de tout ça, et malheureusement ou heureusement, en fait, on ne va récupérer qu'une toute petite partie, c'est-à-dire que en gros, le cerveau est capable d'analyser 10 milliards de bits d'informations par seconde, ce qui est une quantité énorme avec les différents sens qu'on a, aussi bien au niveau extérieur qu'au niveau intérieur du corps. Et l'inconscient met les deux informations, que ce soit intérieur au niveau du corps ou à l'extérieur, au même niveau. Et il va analyser tout ça. Et finalement, donc le corps, lui, arrive à analyser 10 millions. Donc c'est un petit peu moins que le cerveau en lui-même. Et à l'état normal, comme nous sommes maintenant, en fait, la conscience n'arrive à analyser que 16 bits. Ce qui est absolument rien du tout par rapport à toute l'information qu'on a. Et donc, c'est l'inconscient qui va analyser toutes ces informations et qui va jeter une très grosse partie à la poubelle, on va dire, pour ne donner qu'une seule tâche à la fois au conscient. Et donc tout le reste, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, on peut avoir de temps en temps des intuitions, et en fait, c'est typiquement ces informations-là qui ne sont pas arrivées au niveau conscient qu'on peut interpréter, du style, par exemple, vous rencontrez quelqu'un et vous vous dites « Ah, celui-là, je ne le sens pas » ou « Je pense que je ne vais pas faire ça parce que je ne suis pas capable de l'expliquer, mais il y a quelque chose, je n'ai pas envie de le faire ou je préfère aller dans cette direction-là. » Typiquement, c'est des informations que le subconscient a analysées et il s'est dit « Bon, dans l'immédiat, là, ce n'est pas important pour lui parce que, par exemple, il a faim, donc il faut qu'il aille manger. Donc finalement, on le met à la poubelle et puis ce n'est pas grave, il aura ces intuitions-là peut-être si on est à l'écoute. » Et des techniques comme la méditation permettent des fois d'être un petit peu à l'écoute de ces informations-là. Et le reste, en fait, finalement, la chose du style « le ventre grogne, donc je vais aller me sustenter », finalement, c'est ce que le conscient a. Et donc, ce qu'on pense faire en disant « je vais aller manger », en fait, finalement, c'est juste une information que l'inconscient nous fournit parce que c'est ce qu'il estime le plus important à ce moment-là, parce que si on n'a pas mangé, on ne va pas pouvoir faire le reste, et donc on ne sera pas... autonome, voilà. Donc il y a ça d'un côté, donc finalement on ne le contrôle pas, et on se rend compte au niveau des études que finalement l'information circule beaucoup plus vite. C'est le geste qui précède le mental, et ce qui fait que le mental a l'information beaucoup plus tard, et il n'y a qu'un delta assez faible
pour pouvoir dire non à l'information qu'il reçoit de l'inconscient. Donc c'est assez étrange, parce qu'on penserait que ça serait autre chose, c'est du style, bah tiens là, j'ai envie d'aller manger, bah je vais me lever de ma chaise, et puis après me promener, et en fait non, le geste est prévu avant que l'information arrive au cerveau, au niveau du conscient, quoi. Donc c'est assez surprenant, et ça fait vraiment réfléchir sur... Enfin, tout ce que ça remet en cause beaucoup de choses qu'on avait en tête, quoi. Donc, après, il y a aussi des fois l'inconscient qui peut cacher des informations au conscient parce qu'il estime que le conscient n'est pas prêt à les avoir, et donc, l'ensemble de, je sais pas comment on peut dire, mais notre être, on va dire, à l'information. Mais par contre, ça ne va pas aller jusqu'au niveau du conscient, et on a beau l'expliquer tout ça, c'est un peu comme si on avait les oreilles bouchées ou les yeux... Donc ça, c'est aussi on retrouve ça aussi, par exemple, avec les gens qui ont vécu, par exemple, sur les enfances difficiles avec des personnes qui ont été battues ou alcooliques. En fait, ils ont eu une adaptation dans l'enfance, et ce qui fait que quand ils cherchent le conjoint... Alors c'est souvent des femmes, mais c'est quand même pas tout le temps le cas. En fait, comme elles ont un mécanisme adaptatif, elles vont pas avoir les alertes que des personnes qui n'ont pas eu cette enfance-là auront, parce qu'ils ont réussi à s'adapter. Et donc, quand ils vont rencontrer quelqu'un qui est capable de les battre, tout ça, comme ils ont déjà le mécanisme adaptatif, il va pas y avoir d'alerte. Ils vont s'investir plus dans la relation et développer une relation qui, on va dire, qui pourrait être toxique, mais simplement parce que c'est comme auparavant ce qu'on disait par rapport à la dépression, ça a été une habitude du cerveau d'aller dans cette direction, et donc en fait inconsciemment on cherche à revivre ce qu'on a déjà fait parce que c'est plus facile, parce que c'est des autoroutes au niveau du cerveau, donc c'est plus facile de se déplacer sur les autoroutes que sur les chemins de campagne, et donc on reste dans cette direction là et c'est justement, pour revenir aux états de conscience modifiés rapidement, on peut utiliser ces états de conscience modifiés, que ce soit l'hypnose ou d'autres techniques, pour des fois justement dévier l'autoroute et changer les habitudes qui étaient installées depuis longtemps, quoi. Bon, je m'éloigne un petit peu, mais... Merci Gaëtan. Mais effectivement, moi qui ai travaillé, j'ai travaillé auprès des violences faites aux femmes, et puis en salle de naissance, j'ai vu des femmes, moi, chez qui le mécanisme adaptatif sautait d'un coup, et toutes les violences subies dans la petite enfance ressortent à ce moment-là. C'est des choses que l'on connaît bien en obstétrique et que l'on essaye d'accompagner. Et j'ai aussi vu des gens, après des séances d'hypnose, sortir de l'autoroute et aller sur les chemins de campagne et les vivre de façon extrêmement difficile, d'où l'importance d'être accompagné. C'est ça que je voulais dire, surtout pas rester seul. Parce qu'effectivement, tout ce qui est dans le subconscient, quand ça ressort, ça peut être très douloureux à vivre. D'où l'importance de l'accompagnement. Et j'aimerais, Alice, que tu nous parles un petit peu justement de l'inconscient. Oui, alors il y a plusieurs significations à inconscient. Là, on a survolé inconscient dans le sens de Freud, tout ce qui est refoulé, et dans le sens de tout ce qui n'est pas perçu au niveau conscient par notre mental, quelque part. Donc, pour un petit peu reprendre ce qu'a dit Gaëtan, le cerveau, effectivement, filtre beaucoup l'information en permanence parce qu'on ne peut pas tout traiter. Et il y a vraiment une toute petite partie de l'information qui arrive au niveau conscient. Et là, sur ce point-là, il y a des expériences qui ont été faites par Stanislas Dehaene, très élégantes, où il présente des stimuli visuels ou auditifs très brefs. Et en fait, il montre par imagerie cérébrale, par exemple pour des stimulations visuelles très très brèves, que ça n'active que l'aire visuelle primaire et ça ne va pas au-delà. Et s'il présente le stimulus un peu plus longtemps, alors c'est que ça commence à être traité par les aires visuelles secondaires, tertiaires, etc. et aller dans la voie dorsale et la voie ventrale qui va traiter de quoi il s'agit et où est-ce que c'est localisé. C'est cette chose qui bouge dans notre scène visuelle. Et là, ça peut arriver au niveau conscient et à ce moment, on voit que corrélé au moment où la personne peut dire qu'elle a vu l'image sur l'écran, eh bien, il y a tout le cerveau qui va s'embraser et se mettre à réverbérer dans plusieurs aires cérébrales qui vont s'activer, des neurones qui vont parler à d'autres, etc. Et ça active un grand réseau de neurones qu'on appelle l'espace de travail global. Et c'est pareil pour des sons très brefs qu'on n'entend pas s'ils sont trop brefs. Et si c'est suffisamment long, à ce moment, on va les entendre. Donc, on voit que ça s'active dans l'oreille, ça s'active dans les aires auditives primaires, mais ça ne va pas au-delà. Donc, ça reste au niveau soit... préconscient, soit même subliminal, si ça m'active. Préconscient, c'est ce que disait Gaëtan tout à l'heure, ça peut quand même influencer certains comportements et subconscient, on ne s'en aperçoit même pas.
Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle j'ai envie de rebondir, c'est effectivement les expériences de Benjamin Libé que tu as cité, Gaëtan, au siècle dernier, où il demandait au père, il mettait un électroencéphalogramme sur le scalp des personnes pour enregistrer l'activité de leur cerveau, et il regardait ce qui se passait au niveau des aires prémotrices, motrices. Et la tâche était très simple. Il suffisait d'appuyer sur un bouton quand on en avait envie. Et il demandait juste aux participants de regarder l'horloge, la trotteuse de l'horloge qui était devant eux, et de noter à quel moment ils avaient pris la décision d'appuyer sur le bouton. Et là, en fait, en enregistrant à la fois les ondes cérébrales et à la fois le moment où la personne appuyait et le moment où la personne était sûre qu'elle avait pris la décision d'appuyer, il s'apercevait qu'on avait déjà un signal dans le cerveau bien avant que la personne prenne la décision d'appuyer. Donc, il y a une amorce dans le cerveau au niveau des aires prémotrices de l'intention. Le cerveau décide. Et à un moment donné, la personne appuie sur le bouton, mais c'était déjà anticipé avant même qu'elle ait conscience, disons, de prendre cette décision. Donc ça a beaucoup fait couler d'encre et ça a été reproduit par la suite. Après, l'interprétation qui en est faite selon les groupes de recherche n'est pas la même. Par exemple, pour l'équipe de Stanislas Johan dont j'ai parlé, il y aurait un bruit neuronal permanent avec une espèce d'incrémentation, d'accumulation comme un accumulateur. Et lorsqu'on dépasse un certain seuil, alors la personne prend la décision d'appuyer. Selon Stanislas Johan, ça fonctionnerait comme ça. Après, c'est sûr que ça questionne beaucoup. Donc, on est encore loin de faire vraiment le lien entre les activités cérébrales qu'on peut enregistrer, soit électriques ou magnétiques maintenant, ou par imagerie cérébrale, indirectement, en regardant le flot sanguin, et les comportements et la conscience, quelque part, les choses qui arrivent à notre conscience. Et le modèle à l'heure actuelle qui est de plus en plus accepté par la communauté des neurobiologistes, c'est un modèle du cerveau qui est probabiliste, c'est-à-dire qu'au cours de nos apprentissages, eh bien, on apprend ce qui est le plus probable dans notre environnement. Par exemple, les enfants souvent prennent un objet, le font tomber par terre des dizaines de fois, et au bout d'un certain nombre de fois, eh bien, ils ont appris la loi de la gravité qui n'est pas innée chez nous, parce que les réseaux de neurones se forment à prédire que dès qu'on va lâcher un objet, ça va tomber vers la terre. Et si jamais on lâche un objet et que ça part vers le ciel, tout d'un coup, ça attire notre attention et c'est là qu'on va prêter attention. On ne prête plus attention à tout ce qui est prédit par le cerveau, tout ce qui est dans les probabilités, voilà. On n'y attache plus d'importance. En revanche, tout ce qui est nouveauté et imprévu, le cerveau va en permanence comparer ce qui arrive à ce qu'il connaît déjà et il va de préférence retenir tout ce qui est improbable. Donc ça, c'est intéressant aussi à souligner par rapport à tout ce que tu as dit, Gaëtan, au préalable, parce que finalement, le filtre, c'est un petit peu ça aussi, c'est de rester dans nos habitudes parce que quelque part, c'est un confort, ça ne fatigue pas parce que c'est traité très rapidement. Tout ce qui est nouveau nécessite un traitement plus approfondi par le cerveau et de modifier nos réseaux de neurones, créer de la plasticité. Par exemple, si on va dans l'espace et que la gravité n'est plus là, que les choses flottent dans l'air, il faut un certain temps pour notre cerveau pour réapprendre d'autres lois de la physique et notre façon de fonctionner. Et du coup, il y a des réorganisations qui se font au niveau des réseaux neuronaux. D'autres exemples de plasticité comme ça, c'est si on porte des lunettes où on voit le monde à l'envers. Ben, pendant les premiers temps, on se cogne partout et on a très mal à la tête. Mais au bout d'un moment, le cerveau est capable de renverser l'image visuelle et de restaurer une image visuelle à l'endroit et les gens peuvent de nouveau fonctionner. Donc, voilà, on est très, très plastique, très adaptable. Et y compris pour ce qui est les états modifiés de conscience, on parlait Gaëtan, quand on pratique longtemps la méditation ou l'auto-hypnose, il y a beaucoup d'études maintenant sur des méditants qui ont pratiqué pendant des milliers d'heures et on peut voir même des changements au niveau anatomique dans leur cerveau. Donc au bout d'un moment, à force de pratiquer ces états modifiés de conscience sur le long terme, on peut voir qu'il y a des changements de fonctionnement de notre cerveau qui peuvent aussi se voir au niveau anatomique, comme par exemple, il y a plus de myélinisation autour des axones, c'est-à-dire que les fibres nerveuses transmettent l'influx nerveux plus rapidement. Il y a plus de connexion entre les hémisphères, enfin, il y a différentes
différents changements qui peuvent être vus en imagerie ou en imagerie fonctionnelle ou par des enregistrements électrophysiologiques. Voilà. Merci Alice. Donc effectivement, c'est rassurant de se dire qu'il y a une grande plasticité cérébrale et qu'il y a une capacité d'adaptation et que c'est important d'avoir un changement prévu dans notre vie. Ouais. Et si je peux juste rajouter un petit quelque chose, il y a beaucoup d'études qui montrent aussi que le fait de pratiquer la méditation nous fait gagner un petit peu en libre arbitre. Donc sur la décision de nos actes, par exemple, on peut gagner sur ce temps, on peut rétrécir ce temps d'imprécision où on ne sait pas encore quand on va déclencher un mouvement et on peut beaucoup gagner sur notre libre arbitre, nos actes en conscience. Et également, on gagne en discernement et également, on gagne aussi en traitement de l'information. On peut traiter plus d'informations quand on pratique régulièrement la méditation. C'est fabuleux, ouais. Ça. On va tous avoir envie de faire de la méditation ce soir. Je retiens libre arbitre, plus de discernement et puis une plasticité cérébrale qui va faire attention plus à l'imprévu qu'aux probabilités. Donc c'est important aussi de se connecter aussi à ce qui se passe autour de nous et ce que l'on n'avait pas prévu. Et Guillaume, j'aimerais que tu nous apportes un petit peu toi aussi ce que tu aurais envie de nous partager sur l'inconscient et sur peut-être les patients, sur ce que tu rencontres. Oui, alors ce que vous disiez Alice et Gaëtan, ça me fait penser à souvent aux fins de séance. Aux fins de séance, donc il y a pendant une séance au cabinet, on va dire que ça dure une quarantaine de minutes, 40-45 minutes. Où le corps est travaillé de différentes façons, avec différents outils, ça amène nécessairement chez la personne un changement de sa perception d'elle-même et puis très fréquemment quand même un changement de son état de conscience. Et ce qui est très intéressant, c'est de rester vraiment en tant que soignant attentif jusqu'à la fin. Parce que souvent, en fin de séance, quand la personne change de position, se remet assise, se relève, se rhabille, y a plein de choses qui sont dites, qui sont lâchées comme ça, où c'est plus le conscient qui exerce une sorte de rétro-contrôle sur ce qu'il peut dire, sur peut-être cette protection de l'image, cette protection de l'idée qu'on se fait de soi. Et là, paf, il y a des mots, des phrases qui sont glanées comme ça, et c'est très fréquent que ça aiguille vraiment la compréhension que je peux avoir de la personne, et plus que de la personne, la compréhension de la problématique ou de ce qu'il y a autour de la problématique qui l'amène à consulter. Et dans la séance suivante, moi je note vraiment tout ça pour me rappeler, et dans la séance suivante, ça permet de repartir et puis de relancer peut-être la personne sur le mot qui a été dit. Le mot juste, en tout cas le mot que la personne a dit est vraiment important à redire. Il ne faut pas que ce soit même pas un synonyme, il faut que ce soit vraiment le bon mot. Et c'est très surprenant de voir comme paf, ça relance en fait quelque chose, comme si on mettait une pièce dans la machine et on repart la fois d'après sur une exploration, peut-être comme si on descendait dans différents espaces à l'intérieur de la personne. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ce que vous évoquiez sur l'inconscient. Écoute, merci Guillaume, et c'est marrant parce que je rebondis moi avec l'homéopathie, effectivement on va utiliser les mêmes choses, et les petites phrases, des fois on se dit « Ah tiens, ça c'est quelque chose, on recherche nous aussi tout ce qui est métaphysique hein, dans le discours, est-ce qu'il appartient pas vraiment parce que la personne a pu présenter d'elle, on se dit, ah tiens, ce mot, j'ai une dame aujourd'hui, elle me disait, la joie a jailli en moi. Je dis, tiens, tout le monde n'utilise pas ce mot, jaillir. Et pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Et du coup, elle est partie avec pétroleum comme remède, parce que pétroleum, le pétrole, ça jaillit, c'est marrant. Voilà. Donc il y a des petites choses comme ça intéressantes évidemment. Et j'aimerais justement qu'on commence à parler un petit peu des états modifiés de conscience, et j'aimerais Gaëtan que tu nous définisses un petit peu c'est quoi ce qu'on en parle depuis le début, et finalement c'est quoi un état modifié de conscience quoi. Attends, ton micro je l'avais allumé mais tu l'as coupé. Il faut que tu rallumes ton micro, Gaëtan.
Tu rallumes ton micro, on ne t'entend pas. Il ne se rend pas compte qu'on l'entend pas. Ton micro est coupé. Désolé. Bon, désolé. Non, je disais, en fait, je me rappelle plus la définition scientifique qui est actuellement la bonne, exactement celle qu'il faudrait, parce que je sais qu'il y a notamment Antoine Bioy qui avait une définition de la transe et état de conscience modifié, qu'il différencie bien les deux, mais en gros, un état de conscience modifié, c'est un moment où il y a une altération des perceptions, on va dire, par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre. Mais on pense tout de suite à, enfin, des fois, on va dire, les gens peuvent penser à des gens qui vont prendre des substances psychotropes ou qui vont avoir je sais pas quel délire, mais en fait, ça peut être très simplement, au moment où on s'endort, vous pouvez avoir des petits gestes de la main, ou quand vous vous réveillez, vous avez un petit moment où vous vous rappelez un petit peu des rêves que vous avez eus et qui disparaissent dans les 5-6 minutes. Enfin, vous n'avez plus que quelques notions de ce rêve-là. Et ben ça, c'est déjà des états de conscience modifiés. Ou alors, quand vous êtes en voiture, alors c'est pour ceux qui roulent, et puis vous prenez le chemin qui vous permet de rentrer de chez vous, par exemple, et d'un coup, vous vous dites, tiens, je suis déjà là. Et en fait, vous ne savez pas ce qui s'est passé entre les deux. Ben, c'est déjà un état de conscience modifié. Donc, il y a des choses qui sont physiologiques. Et alors, je voulais chercher l'information, je ne l'ai pas retrouvée. Mais je sais qu'il y a eu une thèse de Laetitia Merlot, si mes souvenirs sont bons, qui est une ethnologue, qui avait fait remarquer qu'il y avait elle avait regardé par rapport à plus de 390 civilisations différentes à travers le monde, et il y avait plus de 92% dans mes souvenirs qui utilisaient les têtes conscience modifiées. C'est-à-dire que ça peut être il y a d'ailleurs énormément de portes d'entrée. Ça peut être la respiration, ça peut être les psychotropes, ça peut être la musique. On pense souvent, par exemple, au tambour dans les cultures africaines ou dans du chamanisme. Le plus connu, c'est peut-être le chamanisme mongol, parce que Corinne Sombrin commence à être assez connue, on va dire. Donc, il y a tout ça. Ça peut être d'autres pratiques, comme là, par exemple, celle des derviches tourneurs qui tournent, etc. Donc, il y a beaucoup de portes d'entrée pour rentrer dans ces états de conscience-là. Et puis même, quand on ne fait pas attention, finalement, on peut aussi rentrer dans un état de conscience modifié. Mais par contre, ce n'est pas toujours le même endroit où on atterrit. C'est comme ce n'est pas les mêmes pratiques, tout à fait, on n'atterrit pas toujours au même endroit, quoi. Merci Gaëtan. Donc il y a plusieurs niveaux et plusieurs états de conscience modifiés. Ouais, c'est important. Si tu veux, ça je peux rajouter un petit peu aussi. Effectivement, je trouve que il y a plusieurs niveaux de conscience différentes. Un, on va dire, où c'est celui où on discute, où on échange comme ça. Il y a un niveau où on va être plus focalisé sur une chose donnée, où il y a un niveau après où il y a une observation. Enfin, là, je parle par rapport à mes perceptions, ou à ce que j'ai pu... C'est plus le côté, on va dire... et publication. Mais il y a un niveau où il y a la conscience qui est... qui observe, qui peut observer, où il y a encore un travail qui peut être fait à deux entre la partie consciente et puis et le reste, et c'est ça qu'on utilise des fois dans les soins, je trouve, avec l'hypnose. Et il y a des états plus profonds où il peut y avoir des perceptions, une perte des perceptions extérieures, par exemple, voire un espèce de blackout complet. Voilà. En tout cas, on en a tous déjà vécu. C'est ça qui est important pour les gens qui peuvent se poser des questions ou des gens qui peuvent aussi se dire « Ah, méditer, c'est difficile. » Et on voudrait vous proposer une petite expérience là, ce soir avec Alice pour voir un petit peu, tout toucher du bout du doigt ce qu'est un état méditatif. Avec plaisir. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Gaëtan, effectivement, il y a différents états de conscience maintenant non ordinaires qui ont été identifiés et ils se définissent d'après leur degré d'absorption. On peut être juste en train de faire une petite rêverie, donc là on parlera d'auto-hypnose, ou d'avoir une attention focalisée sur une bougie ou sur la respiration. C'est ce qu'on va faire là dans un instant ensemble, si vous le voulez. Et ça peut être plus profond. On peut être complètement déconnecté de ce qui se passe autour de nous et profondément dans notre intériorité, vivre une transe plus profonde. Puis après, il y a des états comme les états de mort imminente, où il y a des états de sommeil profond, il y a l'anesthésie, le coma. Donc, on traverse au cours de notre vie plein d'états de conscience différents. Et au cours d'une journée,
on traverse plein d'états de conscience, comme l'a dit Gaëtan. Et maintenant, avec les données d'imagerie cérébrale et d'électroencéphalographie, on peut faire des corrélations entre l'activité du cerveau et ce qui est vécu par la personne. Et on s'aperçoit, par exemple, que quand les gens sont dans un état de méditation focalisée, comme on va faire tout à l'heure, sur la respiration, sur les sons qu'on entend ou les perceptions corporelles, il y a beaucoup d'ondes alpha enregistrées en électroencéphalographie, donc un rythme particulier. En auto-hypnose ou en hypnose, on a plus d'ondes θ, un rythme un peu plus lent, etc. Pendant le sommeil profond, on a des rythmes delta très, très lents. Donc, on arrive de plus en plus à faire des corrélations entre l'activité du cerveau et ses états et à mieux les comprendre et aussi à les démystifier. Et effectivement, dans notre société occidentale, on s'est coupé de beaucoup de ces états qui sont utilisés en thérapie dans tous les peuples racines, les peuples premiers. Et donc, c'est dommage de ne pas s'en servir. Et là, il y a vraiment une intention de plus en plus de ramener ces états, de les dédramatiser, de les faire pratiquer par les personnes pour voir un petit peu tous les bénéfices que ça peut leur apporter. Et je parlais, il y a eu une question dans le chat, pourquoi je parle d'écologie. Je disais que ces pratiques sont écologiques parce qu'elles ne coûtent pas de matériel, il n'y a pas de matériel à utiliser. C'est juste un apprentissage, un entraînement. Et ensuite, on n'a pas besoin de prof, on n'a pas besoin de matériel, on n'a pas besoin de médicaments, on n'a besoin de rien pour les pratiquer. Donc, ça ne perturbe pas l'environnement dans une perspective holistique, mais aussi One Health, de santé globale, où on est aussi partie de l'environnement et on essaye de préserver au maximum notre environnement, puisque si on détruit notre environnement, on se détruit aussi. Voilà, sur ce, je vous propose, si vous voulez bien, de prendre une posture confortable et on peut partir pour 2-3 minutes de pratique de méditation guidée. Donc, juste prendre quelques instants, si vous le souhaitez, venir fermer les yeux et peut-être mettre vos pieds sur le sol. Trouver la posture qui vous convient le mieux. Et dans un premier temps, observez vos appuis sur le sol, les points de contact de votre corps avec la terre qui nous porte. Juste observez. Et laissez se déposer quelques instants ce qui est là, en nous. Relâchez les épaules, les bras. Peut-être venir imaginer comme un fil invisible qui relie le sommet de notre tête jusqu'au ciel. Et qui vient étirer toute notre colonne vertébrale. Comme si nous étions un trait d'union entre la terre et le ciel. Sans rien à faire, rien d'autre à faire qu'être là. Et peut-être prendre juste quelques instants pour nous connecter à notre respiration. Observer l'air frais qui rentre à l'inspire. Et peut-être l'air un peu plus tiède qui sort par nos narines à l'expiration. Observez la cage thoracique qui se gonfle à l'inspiration, qui se relâche à l'expire. Observez peut-être les sensations au niveau de l'abdomen, se gonfle comme un ballon à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Juste observer comme avec le regard de l'enfant les sensations en lien avec notre respiration dans notre corps. Et peut-être pouvons-nous avoir des pensées qui surgissent ou des émotions. Et nous les accueillons avec beaucoup de bienveillance, nous les observons et nous pouvons juste les laisser passer et revenir tranquillement à notre respiration pour encore quelques instants.
Peut-être sentir notre dos. Peut-être des sensations dans nos mains. Juste observer, être là, présent, présente à nous-mêmes, à notre intériorité. Et je nous propose juste de nous ouvrir quelques instants au son autour de nous. Écouter les petits bruits, sans tenter de les nommer, juste observer. Et peut-être prendre une inspiration un peu plus profonde, sentir toute l'expansion de notre corps. Et à l'expiration, le relâchement. Et commencer à bouger un petit peu les extrémités, les doigts, les orteils. Faire quelques petits mouvements de nos articulations. Les mouvements dont notre corps a besoin. Peut-être venir nous étirer, nous frotter un petit peu. Et quand c'est le moment pour nous, ouvrir les yeux et poursuivre ces échanges très riches ce soir, je trouve. Merci Alice. Merci. Merci à tous d'avoir participé, puisque c'est un moment aussi pour soi. On peut même se dire merci. Merci d'avoir pris ce temps. Guillaume, j'aimerais que tu nous apportes un petit peu ton éclairage aussi sur ces états modifiés de conscience et sur ce que ça t'apporte aussi, toi, avec tes groupes de méditants. Alors, ce qui est intéressant dans la pratique, et là, je trouve que la pratique en groupe au cabinet est beaucoup plus intéressante que la pratique individuelle. Je trouve que donc, la pratique individuelle, elle peut se faire quand il y a besoin avec une personne en particulier. Mais là, la pratique en groupe est vraiment intéressante. Et ce qui va être riche, je trouve, c'est les connexions qui vont, les ponts, on pourrait dire, les ponts, les connexions qui se font entre les différentes parties. Par exemple, la possibilité d'être de déplacer l'attention dans différentes parties du corps dans un état de conscience alors voilà, pour prendre un exemple très concret, je suis en soin avec une dame qui a des problèmes au niveau de la nuque, des cervicales, des épaules. Cette dame là elle venait pour une tendinite au départ, et puis en fait il s'avère qu'il y avait vraiment des blocages au niveau de la base du crâne, au niveau des cervicales. Et vraiment, une dame au repos pour laquelle les épaules étaient très très hautes, comme s'il n'y avait pas de cou. Donc ça m'interpelle sur... cette posture m'interpelle, et puis donc je l'interroge sur qu'est-ce qu'elle a apporté, qu'est-ce qui pèse sur elle, et qu'est-ce qu'elle a apporté en ce moment dans son parcours de vie. Et donc du coup, quel est le contexte dans lequel cette douleur est apparue. Et en fait, donc, en discutant avec elle, effectivement, il y avait beaucoup de choses à porter. Et puis donc je l'interroge sur la connexion qu'elle a avec ses pieds. Comment elle est reliée à ses pieds? Une question toute bête, elle est surprise, elle a l'impression que je m'étais trompé dans ma question. Et puis en fait, ce qui était intéressant, c'est de voir comment l'état de conscience qui était le sien l'amenait donc à porter beaucoup de choses et à avoir beaucoup de pression sur les épaules, qui du coup donner un vécu du corps qui était réduit aux bras, aux épaules et à la tête. Et puis le reste du corps était inhabité. Et donc là, la petite pratique qu'on vient de faire là, avec Alice peut être guidée pour que cette personne elle puisse descendre en fait, habiter le bassin, habiter l'ensemble de ses jambes, aller jusqu'à ses pieds. Qui joue dans ce cas un peu le rôle d'une prise de terre, où ce qui est en excès, en court-circuit presque, dans la partie haute du corps, voilà, peut redescendre de façon très pratique, très pragmatique, vers une autre région du corps qui va relâcher vraiment la tension qui s'était accumulée. Donc là, on est sur quelque chose de très très pratique, hein, de cette modification de perception de nous-mêmes.
qui peut être utile et qui, du coup, chez cette dame, est un exercice à faire en parallèle des soins qu'elle peut recevoir. Avec voilà, des marches méditatives, avec des body scans qu'on utilise, c'est-à-dire cette façon de déplacer son attention dans le corps, qui ramène cette conscience corporelle et qui, du coup, et évite de nous voir piégés par cette activité plus cérébrale. Merci Guillaume. Donc, effectivement, on peut aussi avoir des gens qui disent qu'ils vont avoir des difficultés justement à rentrer dans la méditation. On a des commentaires sur le chat de gens qui disent bah, « j'aimerais bien méditer, mais j'y arrive pas ou j'ai besoin de bouger ». Et je sais, Gaëtan, qu'il est possible d'avoir des méditations en mouvement. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Petra Alice, non, parce qu'elle avait, elle voulait en parler, oui. Donc je dis. Donc bah, je peux aussi, mais. Oui, bah, on a parlé de la marche méditative, là, qui est déjà une façon de marcher en mouvement. Donc le tout, c'est de ne pas rester dans son mental, de ne pas ruminer ce qui s'est passé la veille ou ce qu'on va faire dans les jours prochains et ce qui va arriver. C'est juste être dans l'instant présent. Et donc, on peut le faire en marchant, par exemple, focalisant son attention sur ses pieds ou sa respiration. Mais on peut le faire aussi dans des pratiques comme le tai chi, où on fait des mouvements très lents et on doit mémoriser les mouvements, faire des séquences assez complexes de mouvements. Du coup, on ne pense qu'à ça et on ne peut pas faire en même temps, penser à sa liste de courses et faire les mouvements. Et ça permet de faire une méditation lente en mouvement et en plus de bénéficier des effets sur l'équilibre, sur... tout le système moteur, sur voilà, en plus c'est une activité physique qui est associée à la méditation. Pareil pour le yoga ou le qigong qui permettent aussi de faire circuler tous les liquides, les fluides dans l'organisme et ce qu'on appelle l'énergie, le chi, l'énergie de respiration. Donc ça, ce sont des méditations en mouvement, actives, mais qui également apporte beaucoup de bénéfices. Et pour les personnes qui ne supportent pas de rester pendant des heures immobiles, ça peut être une bonne alternative. Il y a aussi des méditations en mouvement, au chaud. Enfin, il y a vraiment beaucoup, un grand panel de possibilités de différents types de méditation. Et chacun peut trouver vraiment ce qui lui convient le mieux. Il faut explorer. Oui, explorer puis oser en tout cas, voilà. Et c'est vrai par rapport à ce qu'a dit Gaëtan tout à l'heure, c'est vrai que c'est plus facile d'être accompagné au début pour qu'on nous montre, qu'on nous apprenne, et après on peut s'autonomiser assez rapidement. Et c'est aussi très agréable de pratiquer effectivement avec d'autres personnes, parce qu'en plus de son énergie propre, on a l'énergie du groupe, et c'est quelquefois très puissant aussi de s'associer à d'autres personnes pour faire ces pratiques. Effectivement, pouvoir être à plusieurs. Je ne sais pas si Gaëtan, tu veux ajouter quelque chose là-dessus. En fait, j'avais d'autres idées en tête pour parler peut-être de l'impact des neurosciences sur finalement la vie de tous les jours, parce que c'est ça qui, enfin, c'est un peu la thématique de la soirée, je pense. Il y a tellement de choses déjà à dire là-dessus. Et c'est vrai que j'ai pensé aux hallucinations hypnagogiques. C'est quand il y a des... en fait, c'est, je crois qu'il y a dans sa vie, il y a quand même presque 20% des gens, je crois, qui vivent ça au moins une fois dans leur vie. C'est quand, des fois, on s'allonge pour s'endormir et au moment où le cerveau est censé s'endormir ou alors juste au moment où il va se réveiller... on va avoir une hallucination qui est complètement physiologique, hein, où on peut avoir l'impression qu'il y a quelque chose. Des fois, les gens parlent de démons ou de choses qui assis sur eux, qui leur empêchent de respirer, ou ils sentent qu'ils ont le corps qui est complètement ankylosé, bloqué et tout ça. Et donc, au siècle dernier, où il y avait des peintures, par exemple, où on peut voir des femmes qui étaient bloquées et assaillies par des démons, etc. Donc, il y avait un côté peut-être mystique ou religieux. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est dû à un neurotransmetteur. Alors, je ne sais plus, c'est la glycine, je crois, il me semble, j'ai un doute, qui, normalement, en fait, s'arrange pour que quand le corps dort,
le corps ne bouge pas. Enfin, dans l'ensemble, on est quand même plutôt assez bloqué. Alors, bien sûr, on tourne un petit peu au l'autre, mais en gros, il n'est pas censé se promener, etc., ce qui est le cas en somnambulisme, par exemple. Et donc là, au moment où on se réveille, normalement, ce neurotransmetteur va aussi arrêter d'être synthétisé pour que on puisse avoir l'autonomie et la possibilité de faire les mouvements qu'on a envie. Et dans ces problématiques-là, en fait, c'est juste qu'il y a une déconnexion entre le moment où la conscience s'éveille, on ouvre les yeux, et le moment où les muscles sont de nouveau disponibles. Donc on arrive à l'expliquer d'un point de vue neuroscientifique sans forcément devoir aller voir peut-être le curé pour dire « écoutez, j'ai dû faire quelque chose qui n'était pas bien parce que j'ai un problème ». Donc c'est super intéressant et c'est très rassurant si par la suite des gens qui nous écoutent le vivent, ils peuvent se rassurer en disant « oui, en fait, ça va durer quelques minutes et puis après, en fait, finalement, le corps se remet en mouvement et il n'y a aucun problème ». Donc je me dis que c'est intéressant, je pense, d'avoir ces informations-là et de comprendre, qu'on arrive à comprendre finalement des perceptions et des choses qu'on avait auparavant d'une manière plus scientifique et plus peut-être plus réelle par rapport aux projections qu'on avait auparavant. Alors, peut-être moi j'aimerais rajouter une chose, enfin rajouter, c'est pas rajouter, mais justement faire le pendant inverse, c'est-à-dire que le fait de comprendre, c'est important que ça n'enlève pas cet aspect peut-être magique de l'existence, parce que y a vraiment dans les histoires qui sont racontées aux enfants, enfin moi très souvent quand je lis des articles ou des livres qui parlent, qui expliquent de tout ça, qu'on voit, par exemple, là, je repense à un article sur l'ocytocine et la façon dont cette molécule, lorsqu'elle est sécrétée, va permettre l'accouchement, va permettre la contraction des seins pour l'allaitement, va permettre l'attachement, va effacer les mauvais souvenirs de l'accouchement, va créer le lien entre l'enfant et la maman. Enfin, on se dit qu'il y a des choses qui sont absolument merveilleuses. Et en fait, le fait de comprendre ça et de pouvoir aller dans les détails des processus qui peuvent expliquer ce qui se passe, je trouve que c'est important que ça n'efface pas ce côté un peu merveilleux et conte de fées de l'existence, parce que vraiment, je crois qu'on en parlait un petit peu, mais les neurosciences, comme on le dit tout à l'heure, ne peuvent pas non plus expliquer. Enfin, pour l'instant, but sur expliquer ce qu'est la conscience et où elle apparaît, comment ça se crée. Et donc cet aspect est vraiment très 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 poétique de ce qui se passe est à garder, je crois, ce côté sacré en fait de l'existence. Si je peux rajouter quelque chose, effectivement, les neurosciences ont fait énormément de progrès depuis. C'est une cinquantaine d'années, vraiment c'est fulgurant, mais il y a encore beaucoup d'expériences qu'on appelle expériences extraordinaires qui ne sont pas du tout expliquées par cette approche très matérialiste des neurosciences. Avec une autre. Il y a par exemple les expériences de mort imminente, les sorties de corps, certains, là, il y a des personnes dans le chat qui ont évoqué des voyages astraux, il y a des expériences de réincarnation où il y a des enfants qui décrivent des vies antérieures, il y a des études qui ont été faites très sérieuse, hein, scientifiquement, où il y a des enquêtes qui ont été faites pour vérifier ce qui était dit par les enfants dans leur plus jeune âge, qui disaient avoir vécu d'autres vies et qui décrivaient des faits réels sans qu'ils n'aient jamais eu accès à cette information. Donc l'information circule, on ne sait pas comment. Il y a des choses qu'on ne sait pas encore expliquer, même en comprenant très très bien le fonctionnement cérébral. On ne sait pas encore comment le cerveau fait pour capter, pour se faire l'intermédiaire finalement de ces informations et les amener à la conscience de la personne. Donc là, à mon avis, c'est le grand challenge à venir des neurosciences, d'arriver finalement à comprendre comment le cerveau se fait antenne. Et il y a apparemment des conditions qui sont optimales aussi chez les médiums, apparemment, le moment où le médium reçoit une information, l'activité cérébrale est modifiée. Donc, il y a des conditions qui ont l'air optimales pour capter cette information. On ne sait pas encore comment ça fonctionne. Ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant et qui est un peu tabou hein, dans la communauté, dans le mainstream des neurosciences. On essaie d'écarter
ces questions parce qu'on ne sait pas pour l'instant les aborder. Donc, elles sont mises un peu de côté. Il y a quand même certains chercheurs courageux qui commencent à s'ouvrir à ça. Je pense à Thomas Raberon, Renaud Evrard, qui ont fait un livre sur justement la clinique des expériences extraordinaires. Et il y a pas mal de chercheurs maintenant aux États-Unis, en Suisse ou ailleurs qui s'associent pour essayer de répondre à ces questions. Mais il y a encore du travail. Donc, les neurosciences ont beaucoup progressé, effectivement, apporté beaucoup de réponses à des questions qu'on se posait. Mais il y a encore énormément de choses irrésolues et de questions non résolues. Oui, il y a encore beaucoup de travail en neurosciences, évidemment, et c'est ça aussi qui est beau, c'est qu'il y a encore plein de choses à découvrir et à avancer, notamment dans la compréhension. Et Gaëtan, je crois que tu voulais ajouter un petit peu quelque chose. On peut effectivement, on peut parler, il y a l'équipe de Liège qui est assez connue au niveau international, qui travaille sur différents projets sur l'état de conscience modifié, et actuellement, ils ont une étude en cours par rapport aux expériences de mort imminente. Donc, ils ont... leur étude se déroule dans les salles de déchocage des urgences et je crois aussi salles de déchocage au niveau des soins intensifs où, et ils se sont arrangés pour placer à différents endroits des choses un petit peu inhabituelles pour, et donc s'il y a des patients qui viennent en arrêt cardiaque et qu'ils arrivent à les récupérer, ils leur proposent ensuite de participer à l'étude et de répondre aux questionnaires pour savoir s'ils ont eu des perceptions au niveau des différents sens différents, des choses qui les ont surpris, et des choses qui sont pas accessibles si la personne reste dans son corps, parce que on sait qu'aujourd'hui il y a une zone à l'arrière du cerveau qui, lorsqu'elle est stimulée, fait que les gens perçoivent leur corps comme si c'était au-dessus, enfin un petit peu paralysé peut-être, mais c'est au-dessus et en arrière il me semble, et ce qui fait donc c'est une sorte de décorporation. Donc est-ce que finalement le sens de la vue il est réellement ici, ou est-ce que finalement il y a le cerveau qui fait un micmac et qui fait qu'en fait on voit d'au-dessus, mais que un peu comme un sous-marin, on va dire, qui voit la réalité, mais en fait qui n'est pas au même endroit. C'est une question qu'on se pose. Donc, on n'a pas les réponses au niveau scientifique. Néanmoins, on sait qu'effectivement, il y a une possibilité de percevoir les choses de l'arrière et d'au-dessus. Et comme il y a eu des retours de patients, il y a eu une thèse sur le sujet, je crois que c'est 2018, sur les expériences de mort imminente, et les patients, des fois, parlaient de choses qu'ils ont vécues dans d'autres pièces autour, des discussions qu'il y a eu ou des choses comme ça. Et donc là, c'est même pas le patient qui peut être inconscient sur la table et qui, on peut se dire, il était encore présent, il a entendu quelque chose, etc. Puisque il explique des choses dont il n'aurait pas dû voir. Et donc là, c'est actuellement ce qu'ils sont en train d'explorer. Mais l'étude a commencé, je pense, la fin de l'année dernière. Vu que c'est une étude prospective, c'est au fur et à mesure des patients qu'on a et qu'on arrive à récupérer, qui veulent participer à l'étude, qu'on arrivera à avoir des résultats. Donc, ça peut prendre du temps. Oui, il y a déjà énormément de cas qui ont été répertoriés et des livres qui ont été écrits aussi, La vie après la vie de Moody et ça. Et il y a aussi ce gars-là, Nicolas Fraisse, qui fait des expériences de décorporation, de sortie de corps, à volonté, autant de fois qu'il veut, il peut sortir de corps. Et donc, il se prête à des expériences scientifiques également. Et donc, il y a de plus en plus d'évidence, j'allais dire de preuves, qu'il peut y avoir des informations qui circulent en dehors de notre cerveau matériel. Mais que le cerveau peut récupérer par son activation a posteriori, le cerveau peut servir de véhicule et d'intermédiaire entre cette information et notre conscience. Votre expression de la conscience. Donc voilà, il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Et c'est plutôt, pour nous, pour chercheurs, c'est plutôt chouette parce qu'on a du pain sur la planche. Ben oui. Et nous avons une question là dans le chat, c'est quel est l'intérêt des caissons d'isolation sensorielle ? Les caissons hyperbares ou les caissons d'isolation ? Quand on se coupe de tous nos sens, on va générer des hallucinations en général, parce que le cerveau n'aime pas ne pas avoir de stimulation. Il est habitué à recevoir en permanence des sons, de la lumière, et quand on arrête toute stimulation externe, en général, le cerveau va générer des hallucinations.
Donc, ça peut être utilisé, j'imagine, en psychiatrie quand les gens sont surstimulés et ont besoin de calme pendant un temps court. Mais à terme, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose. Surtout moi qui ai beaucoup étudié les avantages de l'enrichissement de l'environnement, pour moi, appauvrir l'environnement, c'est un non-sens. Ça peut être utilisé par certaines personnes qui veulent partir en transe, enfin faire des états de conscience modifiés de manière physiologique. Je sais qu'il y a des endroits en France et en Suisse où il est possible de passer une heure dans ce caisson, histoire de faire une expérience, voilà, une expérience de quelque chose. Et après, l'intérêt médical, pour le moment, je ne vois pas. Je pense que c'est probablement aussi utilisé au niveau des techniques de torture. Donc, voilà. Il faut faire attention parce que j'ai entendu aussi des cas de personnes qui ont décompensé après avoir vécu cette expérience et c'est pas forcément anodin. Faut être accompagné et vigilant quand on fait ce genre d'expérience un peu extrême. Tout à fait. Et nous arrivons bientôt à l'extrémité de notre émission puisque nous sommes à plus d'une heure d'émission et ça va être le moment un petit peu du mot de la fin. Donc j'aimerais demander à Guillaume. Et quel serait ton mot de la fin? Alors, je prends quelques secondes quand même. Le mot de la fin, ce serait la réjouissance. La réjouissance par rapport à des domaines qui sont des fois aux frontières de ce qui est connu et admis, qui, il y a quelques années, pouvaient amener au bûcher. Et là, on a une joie de pouvoir aborder ça, d'en parler librement avec des pairs, aborder ça, faire des recherches dessus. Et puis, a posteriori, enrichir à la fois les soins et enrichir l'expérience de chacun. Merci Guillaume. Et effectivement, c'est une chance hein, de pouvoir en parler ce soir et puis pouvoir enrichir tous les gens qui nous regardent, parce que beaucoup de gens nous regardent ce soir. Donc, je remercie tous ceux qui nous regardent d'ailleurs. On voit que ça intéresse énormément les neurosciences. Et Gaëtan, quel serait ton mot de la fin? Il y aurait tellement de choses à dire, je suis frustré. Je pense que déjà, il faudra en faire un autre par rapport à la partie sur la santé. Hein. Même rien que sur le reste, là, j'aurais aimé parler des personnes incompétentes qui ont souvent les postes les plus haut placés. J'aurais voulu parler des dépressions sévères qui sont résistantes aux antidépresseurs et avec lesquelles la méditation fonctionne. Il y a eu plein de choses. Je pense que, vu que c'est le mot de la fin, j'ai lag. Et à mon avis, ce qui me paraît important, c'est que les états de conscience modifiés, parce que c'est surtout ça qui m'intéresse, et c'est quand même beaucoup de lien avec les neurosciences, c'est pas forcément pour tout le monde et je pense qu'il faut l'avoir en tête. Les patients qui ont des problèmes d'ordre psychiatrique, peut-être, les schizophrènes, notamment quand ils sont pas stables, les dépressions qui sont aussi en plein dedans et qui sont pas forcément réactionnelles. C'est pas une bonne idée de vouloir faire du développement personnel, je pense, sur ces sujets-là. Et il faudrait plutôt vous orienter vers des professionnels de santé ou des psychiatres, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense, qui peut avoir ces techniques-là aussi, parce que on a, par exemple, à Sainte-Anne, il y avait Christophe André qui faisait ça, et donc je pense que maintenant qu'il est à la retraite, il y a d'autres personnes qui ont dû reprendre le flambeau. Donc il y a des endroits, maintenant, ça se développe de plus en plus, et autant le faire bien accompagner avec un professionnel de santé si vous voulez aller dans la direction du développement personnel, dans des cas comme ça. Et puis, ce qui est important aussi, je pense que c'est de façon globale, et Alice en a un peu parlé, c'est quand même des techniques où on a une suggestibilité qui est augmentée. Et donc, il faut faire attention avec qui on fait ça. Il faut des gens qui soient formés, qui soient expérimentés, et qui, si jamais il y a un problème, puissent vous ramener un petit peu là où il faut. Pas que vous restiez dissocié en allant là-dedans et puis qu'ils aient aussi des intentions et une certaine éthique, on va dire, parce que on entend parler de temps en temps. Il y a Arte qui avait fait un documentaire l'année dernière par rapport au bouddhisme avec des maîtres bouddhistes qui avaient fait de je
crois qu'il y en avait un qui récupérait de l'argent auprès de des gens qui, de manière un petit peu exagérée, quoi, et un autre qui avait des rapports sexuels avec, avec ses disciples. Et donc, c'est une problématique, et c'est pas parce que. C'est sûr que la religion, des fois, a utilisé ces techniques, on va dire, mais on va dire, c'est pas parce que c'est quelqu'un, justement, qui, on pourrait des fois se dire, bon voilà, c'est des gens qui sont dans la spiritualité, donc ils ont une certaine éthique, etc. C'est pas toujours le cas. Et je veux dire, quand je parle de bouddhiste, etc., c'est pas forcément même quelqu'un qui est bouddhiste, c'est quelqu'un qui, voilà, sur Instagram, met des images un peu où il se met en position un peu de pratiquant, comme ça. Enfin, il faut faire attention, je pense, un petit peu à ça, parce que c'est quelque chose d'important et on n'a pas forcément toujours conscience quand on commence à s'intéresser à ça. Donc ça me semble très important qu'ils aient bien eu l'information. Merci Gaëtan pour tes mises en garde. Attention. Et puis Alice, quel est ton mot de la fin ? Juste avant de donner mon mot de la fin, par rapport à ce que dit Gaëtan, bien sûr, il faut des points de vigilance. Là, on est en train de travailler avec l'Alliance de la Santé Intégrative. On a écrit un livre blanc sur la santé intégrative, les pratiques complémentaires, les bonnes pratiques. Et avec un petit groupe de personnes qui s'intéressent particulièrement à la santé intégrative, on vient d'écrire aussi des recommandations pour les praticiens et pour les utilisateurs des pratiques complémentaires pour un cadre de sécurité, en fait, et de confiance pour que quand la personne se rend chez le praticien, il sache quoi attendre, quoi demander, quoi refuser. Et donc ça va être publié prochainement, fin mars, début avril, dans la revue de santé intégrative Hegel, dont je m'occupe maintenant. Donc vous aurez des éléments vraiment très concrets pour éviter toute dérive, mais en même temps, il faut quand même dire que ces dérives, elles sont très rares. Hein, c'est vraiment des cas, ça arrive bien sûr, mais comme ça peut arriver aussi, ce genre de problème dans n'importe quelle pratique, y compris parmi les médecins, les pharmaciens, enfin, ça peut arriver n'importe où, mais c'est vrai que c'est important hein, de souligner ça, mais c'est pas non plus, pas dramatiser, c'est pas non plus un cas très, très courant. Et moi, pour terminer, j'aimerais vraiment insister sur le fait que on a beaucoup cloisonné notre science en Occident. Avec on a les neurosciences d'un côté, l'immunologie de l'autre, la psychologie d'un autre côté, la psychiatrie, etc. Et je pense qu'il est temps de décloisonner. Il est temps vraiment de faire des ponts entre les différentes disciplines pour avoir justement une vision globale. Le corps humain, c'est pas d'un côté un cœur, de l'autre côté un cerveau, de l'autre côté un système immunitaire, c'est un tout. Et plus on avance, plus on voit se développer des pratiques, des champs comme la psycho-neuro-immuno-endocrinologie, où on essaye de voir vraiment le corps dans un ensemble et toutes les relations qu'il peut y avoir entre une part, un système et un autre. Et moi, j'attends beaucoup des relations entre, par exemple, les neurosciences et la physique relativiste, la physique quantique, la chimie, pour aller vers une ouverture et de nouvelles découvertes. Voilà. Merci Alice. Et effectivement, sur la PNEI, nous avons un ami qui, de temps en temps, vient à nos émissions Parlons Santé. Donc, on fait coucou à Michel qui travaille beaucoup sur la PNEI et qui essaye vraiment de le développer en France. Merci en tout cas à vous trois parce que c'était une riche soirée et nous avons appris beaucoup, beaucoup de choses et il y a beaucoup de messages de remerciements. Je voudrais vous dire qu'on en refera d'autres, effectivement, des émissions sur les neurosciences parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais il y a encore beaucoup de mardis finalement, vous inquiétez pas. Et mardi prochain, on va revenir à quelque chose de saison, on va parler un petit peu des allergies. Donc on a déjà parlé des allergies dans différentes émissions, donc on va encore en reparler un petit peu pour voir quelles sont les différentes approches du microbiote ou de méthodes particulières. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt. Merci à tous.